What's up tout le monde, bienvenue sur le channel Antoine K1. Fait que vous venez de me voir faire la soudure sur le côté passager dans l'engine bay. Fait que ça ressemble à ça. Ben content du résultat. Fait que le reste, ça va rester de même. Là, on bouchera pas plus de trous que ça. Ça ici, il y a une grommette qui va là. Puis anyway, avec le support de rad qui va par-dessus comme ça, tu le verras pas. Puis même chose pour celle-là. Puis celle-là, il y a une grommette là-dedans. Puis dans le fond, avec l'entrée d'air là, qui est assez massif, qui va être ici, là, on verra pas ça. Fait que ça, ça va rester de même. J'ai bouché lui, comme vous avez pu voir. Celui-là, il va être utilisé pour tenir les hausses d'air-clim. C'est pas mal ça pour ce côté-là. C'est ça que ça donne. Fait que ça fait quand même un beau fini, assez smooth. Fait qu'il va me rester le poté à faire là-dessus pour smoother ça. Puis ça va être ready pour le primer. Mais pour tout de suite, je m'attaque au métal de ce côté-là. Fait que je vais boucher ce trou-là. Ces deux-là. Puis je suis allé chercher le support BFI pour voir si ceux-là ils allaient être cachés ou pas. Puis effectivement, ben ils sont pas cachés. Fait qu'il va falloir que je bouche ces deux-là aussi. Aussi, une chose, c'est que je suis comme pas sûr de la braquette. Vous voyez comme un repli qui est plus haut. Plus je le regarde, moins que je l'aime. Même chose pour l'espèce de braquette qu'il y a là. Je trouve que ça a comme pas sa place autour du support. Je pense que ce serait plus beau si le repli est enlevé. Fait que c'est ça que je vais faire dans le fond. Elliot, il est passé hier, il est venu voir le bœuf, puis il me disait exactement la même chose. Il se demandait, tu sais, ça servait à quoi ce repli-là, puis tout. Puis il disait, tu sais, ça serait plus beau ça. Fait qu'on va shaver ça. Fait que dans le fond, là, je suis rendu à couper toute la partie du haut. Il va falloir ressouder, ça va faire un genre de gap, là. Fait qu'il va falloir ressouder le gap, bien solide, parce que c'est quand même le support de transmission. Fait que je vais faire ça, je vous montre ça. J'ai la moitié du support de transmission de pas mal fait. Là, la forme, c'est que le edge, tu vois ici la largeur, est pas constante parce que c'est comme ça d'origine. Fait que ici, c'est beaucoup plus mince. Puis là, ici, j'ai fait comme une transition pour aller chercher la largeur d'origine. Fait que je trouve pas ça super à force de le regarder. Je pense que ce serait plus beau si ce serait constant la largeur. Fait que je vais rebâtir comme cette partie-là en soudure, puis jusque-là, pour essayer d'aller chercher une largeur constante. Fait que ça, c'est ce qu'il me reste à faire pour lui. Il me reste à boucher ce trou-là aussi. Après ça, je vais embarquer sur celui-là.
Fait que j'ai soudé les grandes qui manquaient. Fait que dans le fond, ça ressemble à ça. C'est vraiment juste une bolt modifiée, là. Fait que j'ai soudé ça ici. Fait que du haut, on les voit pas. Puis de ce côté-là, on va utiliser cette bolt-là pour le ground. J'ai vérifié que les fils se rendent. Fait que c'est ça que ça donne avec la fuse box. Évidemment, on va relocaliser une coupe de fil ici parce que toute la job que j'ai faite sur les supports ne paraît pas avec la couette de fil qu'il y a là. On va les mettre en dessous là. Puis justement, on va aller utiliser ces studs-là pour les grandes. Fait qu'au niveau de la soudure puis du metalwork, c'est pas mal complété. Fait que là, je vais embarquer sur le poteux. Fait que je vais terminer la vidéo ici. Puis dans la prochaine vidéo, ça va être justement la finition, poteux et tout ça. Fait que merci d'avoir regardé. Puis on se voit au prochain vidéo.